Bonsoir. Nous avons commencé ce programme avec une ouverture qui s'appelle Le bruit d'explosion de Richard Sosseto. Le compositeur a écrit cette pièce pour mettre à l'honneur notre planète, puisque le bruit d'explosion évoque l'époque. Je pense que les professeurs des unités de l'orchestre vont sûrement être d'accord avec moi. Évoque donc l'époque qui remonte à peu près à 500 millions d'années où nous étions dans l'ère, donc en géologie, on dit c'est l'ère cambrienne. C'est là où il y a eu l'arrivée des végétations et des espèces animales qui, pour une grande partie évidemment, sont les ancêtres de ce que l'on a aujourd'hui. Donc le compositeur a voulu donc illustrer dans cette pièce l'explosion donc de cette végétation et du monde animal, et en même temps rendre honneur donc, et hommage à notre planète. Voilà l'histoire de cette ouverture de Torbien d'explosion, donc de Richard Sosseto. La deuxième pièce que nous allons interpréter est une pièce de transcription. Il s'agit cette fois-ci d'une pièce qui date de 1831, d'un compositeur français méconnu. Ce compositeur s'appelle Hérold, et ce compositeur est un grand compositeur d'opéra. Et en 1831, il fait un immense succès avec cette opéra qui s'appelle Zampa ou La fiancée de marbre. Plus de 75 représentations à la création, c'est énorme. Dans tout le 19e siècle, cet opéra était très souvent joué en France, mais aussi à l'étranger. Hélas, il est tombé dans l'oubli, ce compositeur et ses œuvres, au 20e siècle. Mais il y a 3 ans de ça, l'opéra comique de Paris a fait évidemment une recréation française pour le 20e siècle de ce grand opéra. Donc, on vous propose cette ouverture, qui est donc une ouverture qu'on appelle résumée, puisque le compositeur a intégré pour son ouverture quelques grands airs qui seront développés dans l'opéra. L'histoire est assez simple. Zampa est un corsaire qui séduit les jeunes filles avant de les laisser tomber. Et il veut à tout prix séduire donc une jeune fille, la belle Kaki, qui est la fiancée d'Adolphe. Vous suivez les prénoms. Et Camille, évidemment, ne veut pas, évidemment, elle promis à Adolphe, elle ne veut pas répondre aux avances de Zampa. Pour arriver à ses fins, Zampa va kidnapper le père de Camille et il va faire un chantage à Camille. Soit tu me suis, soit je tue ton père. Triste aussi à ce Zampa. Lorsqu'il part de chez Camille, il s'aperçoit que dans la maison, il y a une statue de femme. Et cette statue de femme ressemble à une de ses anciennes conquêtes. Et il va provoquer la statue en lui passant en doigt son anneau, en lui disant « Tu seras ma fiancée pour la nuit jusqu'au lendemain. » Et là, la statue referme la main sur l'anneau de Zampa. Camille, apeurée, va donc aller voir son amoureux, donc Alphonse, en lui disant « Il faut que tu tues Zampa, on n'a pas le choix, il faut s'en débarrasser. Mais Alphonse apprend à Camille que Zampa n'est autre que son propre frère. Il ne peut pas tuer son frère. Donc Alphonse propose à Camille de partir, de s'éloigner et de pouvoir vivre leur amour loin de Zampa. Zampa, évidemment, n'a pas envie de laisser partir Camille et veut partir à leur poursuite. Sauf que la statue de marbre l'attrape et l'emmène dans les abîmes. On vous propose l'ouverture de Zampa.
propre d'un stage comme celui-ci, c'est d'aborder tous les répertoires, de la musique originale, de la musique de transcription, de la musique de haut niveau, comme l'a dit notre présidente, avec de grandes difficultés à la fois techniques et musicales, c'est la d'Adjeto. C'est évidemment une très très grande difficulté musicale et vraiment je suis très heureux de ce travail avec les voix de l'orchestre. Je suis aussi très heureux du travail des cuivres et vous allez pouvoir l'apprécier dans cette quatrième pièce de programme. Olivier Maestri est un compositeur qui est fan de James Bond, fan de la musique funk, et il adore les cuivres justement dans la musique funk. Et il a voulu écrire ce morceau dans l'esprit donc des cuivres qu'on peut entendre dans ses albums de James Bond. Et il a écrit donc une fanfare pour commencer, qui évoque évidemment les sonorités cuivres qu'il a pu donc retrouver dans tous ses albums de James Bond. Et ensuite, il enchaîne la fanfare avec un funk, mais vous pourrez réentendre à la fin le funk se superpose à la fanfare. Donc voici Fanfare en funk d'Olivier Maestri. Thank you.
Thank you.